en parlant de jeux, de gros jeux et d'attentes fiévreuses et un peu magiques. Eh bien, je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont au taquet de la moindre news concernant Hogwarts Legacy et j'ai donc plaisir à vous montrer de nouvelles images. Mais oui, Hogwarts Legacy, un nouveau trailer, alors dédié à la PS5, avec des lieux qui franchement ont l'air extrêmement envoûtants, et des informations aussi supplémentaires, c'est aussi pour ça que je vous en parle. Donc, c'est une bande-annonce en fait qui est centrée autour des spécificités apportées sur la DualSense. Vous noterez quand même que depuis le début, la communication se fait exclusivement avec PlayStation, qui a un deal commercial évident à minima. Donc les gâchettes adaptatives, les retours haptiques seront gérés pour les sortilèges. L'éclairage LED, vous savez, autour de la manette, etc., se mettra aux couleurs de la maison Poudlard que vous allez choisir. Bleu et bronze pour Serdaigle, écarlate et or pour Gryffondor, vert et argent pour Serpentard, jaune et noir pour Poufsouffle. Bref, pas mal de petites spécificités. Et je vous disais, sur les gâchettes adaptatives et les vibrations, ils détaillent ça, la granulosité, quand on va balancer les sorts, etc. Et vous l'avez vu, enfin, nous n'avons toujours pas de date définitive, hormis fin d'année 2022, qui, je le sais, va être très intense. Croyez-moi, beaucoup de jeux qui vont arriver, bon, alors s'ils ne sont pas reportés. Notez aussi, évidemment, que si vous voulez voir le trailer en intégralité, avec la musique, etc., n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne secondaire, Jeux Vidéo Flash. Je vais vous mettre le lien juste ici, dans un instant.